Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Bah approche, approche, j'entends rien là. Attends, je vais éteindre la machine. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi là? Ben, je suis en train de construire ma maison, bi-idhnillah, pour le paradis. Comment ça tu construis ta maison au paradis alors que t'es fait de dunya? Ben c'est simple, akhi. Il y a un hadith authentique rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man bana lillahi masjida ». C'est-à-dire, celui qui construit une mosquée dans cette dunya dans laquelle le nom d'Allah sera évoqué, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui construit une maison au paradis. Là, et en plus, ça tombe bien là. On a bien finir le gros avion, je t'explique un peu ce qu'on fait. On a plus de 1600 mètres carrés au sol. Alhamdoulilah, là on a fini de couler le béton. Et là, Inch'Allah, on va bientôt poser la ferraille et on va agrandir toute la surface par la terre. Alhamdoulilah. Mais même moi, j'aimerais bien construire ma maison au paradis. Tu veux construire ta maison au paradis? Inch'Allah. Tu veux en savoir plus, akhi? Inch'Allah. Ben vas-y, suis-moi, viens. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tu es peut-être éprouvé en ce moment dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, ou sur ta santé, sur celle de tes proches, de ta mère, de ton père, de tes enfants, de ta femme, où tu as tout simplement envie d'œuvrer dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est questionné un jour par un homme qui lui dit « Ma mère est décédée, si je fais l'aumône pour elle, aura-t-elle une récompense ?» Il répond « Oui ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également « Soignez vos malades avec l'aumône ». En ce moment même, la communauté musulmane du Loiret a besoin de nous. Je t'explique. La mosquée de Fleury vient d'acheter récemment un terrain. Pour finaliser la construction du gros œuvre, il nous manque plus que 300 000 euros à payer. Sache que ce projet facilitera la vie de tous nos frères et sœurs vivant autour d'Orléans. Ce projet représente un terrain de 20 000 mètres carrés, donc l'équivalent d'un centre commercial, qui comportera un bâtiment de 1500 mètres carrés composé de salles de prière, de salles de classe et de salles de conférence. Et un très très grand parking. Donc, fini les galères le jour du vendredi pour trouver une place. Donc, si toi aussi tu veux réserver ta place dans cette dunya et dans l'au-delà, clique sur le lien ci-dessous maintenant et passe à l'action. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.